Donc la pêche du jour, plus ciblée brochet. Il y a quand même une bonne population de brochets dans le plan d'eau. Il y a une bonne population de perches et de silures aussi. Quelques cendres, coupe pêche en flotte tube. Tout le monde est équipé en wad ou sorte de bain basket. C'est bon pour vous les gars. Les gilets, tout le monde a essayé. Niveau sécurité, important. Quand on est en flotte tube ou même en bateau, c'est toujours bien de le prendre. A l'inverse un petit peu de la pêche des persidés, là, des perches qu'on avait fait à Grandjean. Donc là, on vous a amené des cannes un peu plus fortes parce qu'on va pêcher surtout avec des leurres un peu plus gros, un peu plus lourds. Le brochet, lui, on va blinder ce bas de ligne. Tout simplement parce que vous savez que le brochet, c'est un carnassier qui a et d'une beaucoup de dents et des dents qui coupent comme des rasoirs. Le brochet, quand on pêche le brochet, faut pas trop penser discrétion, faut plus penser solidité, quoi. Voilà, l'agrafe, simplicité. Donc pareil, vous avez vu les agrafes, c'est pas des agrafes de rigolo. Le frein toujours bien réglé. Un frein, on passera vers vos cannes, il n'y a pas de souci. Un frein au brochet, vous voyez, c'est quand même assez fort parce que c'est des poissons qui peuvent être gros et qui ont la bouche assez dure. Donc comme vous voyez, on a emmené tout un panel de leurres. La pêche, elle est jamais bien facile et chaque jour est différent. L'heure pour attaquer et puis après on ira rejoindre les canards. On se retrouve avec l'école de pêche fédérale et on se retrouve sur le plan d'eau qui est derrière moi, sur le plan d'eau de Saint-Pierre-de-Boeuf pour une grosse journée, une grosse après-midi on va dire, une grosse après-midi de pêche des carnassiers. Alors un petit peu d'historique sur l'école de pêche, donc là on est à la naissance de l'école de pêche, c'est la première année que la fédération de pêche du 42 a lancé cette forme d'animation. Donc pour cette année, on encadre 6 jeunes de 11 à 14 ans. Le but, c'est de leur faire découvrir et un peu plus de les perfectionner dans différentes techniques et notamment leur technique de prédilection. Donc là, on est à la dernière séance. On les a encadrés sur 6 après-midi. Et donc aujourd'hui, une journée plus ciblée brochée. Alors là, on a pêché 2 heures. C'est pas si simple que ça. On est dans des conditions un peu particulières. Le niveau d'eau était assez haut, il y a eu beaucoup de pluie. En tout cas, on passe une très belle journée. Tous ensemble, on essaye de voir différentes techniques, d'appuyer un peu sur certaines techniques phares de la pêche du brochet. Et en tout cas, avant tout, de passer une très bonne après-midi.
21h, on a fait un début de coup du soir. On a essayé d'exploiter au maximum toute l'après-midi. On a réussi quand même à capturer quelques poissons. On a fait... Il est où Louis ? Voilà. Une grosse perche, une grosse et belle perche de 38 cm. Donc déjà, un gros spécimen de perche, ça c'était cool. Et puis on a fait un silure de, on l'a pas mesuré, mais autour de 80-90 cm. Le but c'était déjà de se perfectionner, de perfectionner cette technique un petit peu de déplacement en flotte tube, et puis de voir différents leurres, différentes techniques de pêche des carnassiers, du brochet. Grosse progression, notamment au niveau des déplacements des flotte tubes, il y en avait qui n'avaient jamais fait de flotte tube dans le groupe, donc ça plutôt cool. Et puis au niveau de la pêche, au leurre, on a vu une évolution de la précision, des lancers, on a plus trop de perruques, quelques leurres dans les armes, mais pas beaucoup. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc voilà, pour ma part, j'ai passé 6 demi-journées excellentes avec un gros groupe de motivés qui vont, je l'espère, continuer à aller à la pêche. Et puis m'envoyer des photos de poissons comme ça. Donc rien que pour ça, moi, j'aimerais déjà qu'on s'applaudisse tous. Bon, j'espère que malgré le peu de poissons capturés aujourd'hui, ça vous a donné envie de venir à la pêche, donné envie de participer à l'école de pêche. Donc pour ça, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Bye bye!